La Fédération des Trashvilles et Macouri ont officiellement lancé les élections de secrétaires généraux du comité de base ce dimanche 23 octobre. Une délégation de la direction du parti, conduite par le secrétaire général Damana Adia Picas, est allée sur les lieux pour les différentes cérémonies de lancement. Hormis le secrétaire général, la délégation constituée entre autres du président de la commission électorale Temba Traoré, du directeur des cabinets du président Laurent Gbagbo, son excellence Emmanuel Aka, du coordonnateur régional Abidjan Sud, Pan Noël, et le coordonnateur du district Kazadia s'est d'abord rendu à Trashville. Avant le passage au vote, le secrétaire général a indiqué aux militants les défis à venir, raison pour laquelle le parti ne devrait pas s'éterniser sur l'étape de la mise en place des structures de base. Il faut que nous allions. Nous sommes aujourd'hui à Trashville, nous allons lancer le processus aujourd'hui. Il faut que le week-end prochain, on ait terminé avec le processus d'élection des secrétaires généraux pour qu'on passe. Du côté de Macouri, où la délégation était attendue, le message n'a pas varié. Le secrétaire général et le président de la commission électorale ont respectivement appelé à la mobilisation autour du processus. Après quoi, la délégation a procédé à la visite des différents bureaux de vote. Les différents fédéraux intérimaires et responsables locaux n'ont pas boudé la cérémonie. La mission du jour a pris fin par la visite du secrétaire général au domicile du camarade Bion Stéphane, fauché par la maladie.